Bonjour à vous, chères Juliennoises et chers Juliennois. Quel bonheur de m'adresser à vous en ce beau mois de mai, en fin de printemps. Notre environnement municipal est en pleine transformation avec le début des travaux d'agrandissement et de réaménagement de notre hôtel de ville. Ces travaux se sont amorcés par une première pelletée de terre le 3 avril dernier et se sont poursuivis par la démolition de la maison adjacente à l'hôtel de ville actuel. Si tout se passe comme prévu, les travaux seront échelonnés sur une période de 10 mois. Lors de la dernière assemblée publique, nous avons présenté les dernières esquisses qui se trouvent également dans le hall d'entrée de notre hôtel de ville et sur notre site Internet. Nous rappelons aux citoyens que durant les travaux, l'hôtel de ville restera ouvert aux heures régulières de bureau. Plusieurs activités environnementales se sont déroulées au cours des dernières semaines, dont la journée porte ouverte à la réserve naturelle boréale dans le cadre de la Journée de la Terre. Je tiens à remercier tout particulièrement les intervenants qui ont fait de cette belle journée ensoleillée un réel succès. Merci également aux propriétaires de la réserve, Réal Baudet et sa conjointe Véronique Drolet, pour leurs accueils chaleureux sur le site. Le site est magnifique et est accessible gratuitement pour tous les résidents de Sainte-Julienne grâce au protocole d'entente que la municipalité a signé avec eux. Je tiens également à remercier toutes les personnes jeunes et moins jeunes qui ont participé à l'opération Grand Nettoyage la semaine dernière. Notre prochain rendez-vous environnemental se tiendra le 12 mai prochain, de 10h à 14h, au débarcadère de l'école secondaire Havre-Jeunesse, Journée de l'environnement. Distribution de compost et de plusieurs essences d'arbres offerts par l'Association forestière de Lanaudière. L'érable rouge, le bouleau jaune, le pin blanc, le chêne rouge. Deux arbustes seront également offerts par la municipalité. Le spiret japonais Little Princess et le fusain ailé compact. La société d'horticulture Horteco sera également sur place pour leur traditionnelle vente de plantes et de vivaces. La 13e édition du concours d'embellissement « Mon milieu de vie, je l'embellis » est actuellement en cours. Nous invitons les citoyens et citoyennes ainsi que les commerces à s'inscrire en grand nombre. Un volet junior, 7 à 17 ans, est aussi disponible. Les règlements et les formulaires d'inscription sont en ligne sur notre site Internet. La collecte RDD reprendra au mois de mai. Le 5 mai, entre autres, ce sera à Saint-Esprit. Le 12 mai, à Sainte-Marie-Salomé. Le 19 mai, à Saint-Jacques. Consultez le dépliant sur notre site Internet pour connaître les adresses et les heures de dépôt. De plus, considérant que le printemps tardif, nous prolongeons le délai pour le retrait des abris temporaires de type Tempo au dimanche 13 mai prochain. Pour terminer, j'aimerais vous parler de la 5e édition de la Journée champêtre pour nos artistes qui se déroulera le 18 août prochain. Nous sommes présentement à la recherche d'artistes pour les disciplines suivantes. Peinture, sculpture, vitrail, dessin, photographie. Et nouveauté cette année, la poterie. Vous êtes intéressé? Je vous invite à communiquer avec Mme Danielle Desrochers. Comme vous pouvez le constater, c'est un mois de mai qui est bien rempli. À l'occasion de la Journée nationale des Patriotes, le 21 mai prochain, l'hôtel de ville sera fermé. Je conclus en souhaitant mes meilleurs vœux à tous les mamans à l'occasion de la fête des mères qui approche sous peu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent mois de mai.